face à la menace des ennemis, Karamoko Alpha de Timbo prit contact dans ce sens, semble être avec ceux de Timbo Dalaba, village musulman situé à une dizaine de kilomètres de Timbo. Et les initiatives de rencontres secrètes se multiplièrent par des messages confidentiels et se concrétisent notamment à Kankalabé et dans le Timbi, puis à Fugumba, où le processus de concertation s'acheva à la décision du déclenchement de la guerre sainte fut prise. Au Sinka, vers 1908, Timbo, Woni, Timbo ni capitale, Fouta théocratique, c'est-à-dire Fouta économique, Timbo. Au Timbo et Guina, Ari Mamou, Sinki, Darni, Mamou. Almami Timbo, Woni Ati, Mamou. Donc Almami Woni Wo, Woni Kawonete. En 1907-1908, Taïbe Gaïni dans le résidence. La région de Mamou couvre 28,6% de la superficie de la Moyenne-Guinée. La région de Mamou comprend 3 préfectures, Mamou, Dalaba et Pita, 33 sous-préfectures, 3 communes urbaines, 33 communes rurales, 290 districts, 37 quartiers et 1361 secteurs. Je dis bien, il y a 14 communes, dont la commune, commune urbaine, 13 à l'intérieur, une ici. Est-ce que si la population est dense, pourquoi on ne verrait pas deux communes pour pouvoir gérer les gens? Quartier. C'est possible, ça viendra. Maintenant, les quartiers, ici, c'est là que j'ai le plus de facilité à vous le dire, c'est 28 quartiers. C'est-à-dire 25 quartiers réellement et 3 districts de l'autre côté, c'est-à-dire Téléco. Téléco, c'est par là, Serré, Oremamou, c'est à peu près là qui sont un peu en dehors, en district. Mais c'est la périphérie de la ville, on confronte à des quartiers. Dès la deuxième moitié du 19e siècle, Téléco, aujourd'hui un quartier de Mamou qui constituait une ville étape pour les caravanes. Et ses unités administratives sont composées de 24 quartiers et 96 districts à la ville de Mamou. Se trouve aussi le gouvernorat de la région. Mamou, en bref, est une ville de Guinée située dans la deuxième région naturelle, la Moyenne-Guinée, et liste des quartiers, districts et secteurs. Historique de Fouta Diallon, à environ 250 km au nord-est de la capitale Conakry. Elle a été créée de toutes pièces en 1908 pour accueillir une gare sur la ligne de chemin de fer de Conakry au Niger,
alors en construction. Les événements les plus marquants sont en 1908, fut créée une gare qui donna naissance à la ville de Mamou 1912. Si vous voyez Mamou, on dit Mamé, c'est de Racine, Dialonké. Le Fouta lui-même, avec sa capitale théocratique, c'était quelque chose de 80 000 km². C'était presque un État, avec une organisation absolument tenue, avec suffisamment de morale. Timbo est une petite ville pleine de Guinée située non loin de Mamou. Timbo abrite aussi le marché hebdomadaire des villages voisins comme Kokia, Afia, Timbola, Soedesiria et tant d'autres. Elle fut la capitale politique de Fouta Diallon au XVIIIe siècle. On a On a fait un petit peu de temps. La construction de la grande mosquée commença peu de temps après la triomphe de Kalansa en 1725. À la suite des prières intenses que le lieu qu'elle occupe aujourd'hui a été désigné à travers un rêve. C'était un parc à bétail appartenant à une femme prénommée Nentimbo, de la grande famille de Diafunankébé. De Fouta Diallon, au royaume de Fouta Diallon, était un état théocratique. Et cette colline-là, c'est au milieu du village, c'est là où résidait Anna Missouri Maudo. Vous savez, à Timbo ici, il y avait deux grandes familles qui se succédaient dans la responsabilité. Quand l'un pour deux ans, l'autre pour aussi pour deux ans. Au moment que l'autre rentre de Dara, l'autre on le sort, on l'envoie à Sokotoro. Et puis à chaque fois que l'Almami appelait les gens dans les différentes les divées de Fouta, c'est les cailloux là qu'ils amenaient pour déposer ici. C'est ce qui a formé cette colline là. Ici là, c'est le Tata, l'Almami Sori. Almami Sori. Le troisième Almami de Fouta. Ils vont construire ici parce que il y a beaucoup de choses qu'on a mis sur la terre là. Si tu te mets à lever ça, tu risques d'avoir des problèmes. Ouais, des problèmes, oui.
nga créé wa tantôt fi ma printi mai ki fegi an tv wo ngoy xibaara fe na be ngon na fe ma wona timbo na ki timbo wona ko be na ma mum berre be on va la maison coloniale la c'est à dire ki bangri wona ko depuis tant colon nenam beti itantiri gemenna gemetayri wo famane xibaara de colon de men fanku ya ko si wo nga créé na be monsieur Jakite Ousmane sous préfet akano menni lenkel ma de wumbe. Oui, cette maison que vous voyez est une maison coloniale. Quand le blanc est rentré en Guinée, pour la première fois, il s'est installé à Timbo pour pouvoir prendre les Almami de Fouta et pour pouvoir dominer, l'ensemble du pays. Donc cela s'est passé en 1908. Cette maison, elle est jusqu'à présent solide. C'était ici la capitale. C'est quand l'Almami s'est installé à Mamou qu'on a envoyé à l'époque la région. On disait la région administrative. C'est ainsi que la région administrative est allée à Mamou. C'est ici qu'on faisait appeler aux 9 divés de Fouta, à savoir Timbi, Timbo lui-même, Fougoumba, Kolade, Fodehaji, Koing, Labé, tous répondaient l'appel à Timbo ici. Nous sommes à Timbo, un lieu mystérieux. Les blancs sont rentrés en Guinée et leurs chiens. Ce qui reste jusqu'à présent historique, même à l'occasion de la mort de leurs chiens, beaucoup des jeunes de Fouta de Notable étaient venus adresser leur condoléances aux Blancs. Donc ce sont les cimetières là que vous voyez. C'est un lieu sacré. Nous avons tous respecté ce lieu. Voilà, nous faisons et nous voyons sur deux pieds. Il y a la tombe. Il a dit que c'était un lieu. Il y a des moules de Fimo. Rene nde wonare nokure ne namere ni tu goto wata arde ukorani tu waburu retni do ko ko teddina depuis mawbe amen ben wanno ta porto ben ari lendi be jonni be de nokure ila onsa hebi do ko ko wondi e teddungal be jammuno do kurula do ko kurula wi ete ko ko men fiddi e mum fo ha men hewti do ko berde kanyi men men inna berde porto be do pato do men en ka berde porto be do non to Allah ma sallallahu alaihi wasallam. Voilà, il est le bas. Mais là, il est en Thank you.
nonde nef dibe ya Timbo Fugumba Kebali Kankalabe Labe Koin Timbi Dingirabi Fode Haji Dalaba etc. Dive d'ingéné. En français, neuf dive. Ici, c'est depuis en quelle année? Et depuis en 1725, le Fotiba. Mamou constitue une voie d'accès incontournable aux autres régions de la Guinée et abrite la source des principaux cours d'eau du pays et des sous-régions Konkouré, Bafing, Lakaba et fleuve Sénégal. C'est à la région de Mamou que la Guinée doit son nom du château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. En tant que région administrative, Mamou a été créée par la loi 027-94 en date 18 août 1994. Elle forme avec la région administrative le grand ensemble de la Moyenne Guinée ou Fouta Dialon. La région de Mamou est située à l'est de Conakry à 268 km entre 9 degrés et 12 degrés latitude nord. Et les 11 degrés et 12 degrés 53 longitude ouest et occupe une position privilégiée, notamment à travers son chef-lieu de même nom, qui se trouve la croisée des principales artères desservant le pays, située à 270 km de la capitale, la ville de Mamou, au croisement des routes nationales numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, est en effet l'un des plus importants carrefour du pays. Quant à la région, elle est délimitée par les régions de l'Abbé au nord Kindia, à l'est Farana et la Sierra Leone au sud. Le relief de la région est caractérisé par les montagnes et plateaux variant entre 700 mètres et plus de 1000 mètres d'altitude. Les principaux sommets sont le mont Touka à Dalaba, 1425 mètres, le mont de la Table de Massi à Pita, 1264 mètres, et le mont Banga à Mamou, 1176 mètres. Son climat est de type tropical, modifié foutanien, avec des saisons de presque égales à une autre de maxima et minima, 26 degrés maxima et des minima allant de 14 à 18 degrés. La région de Mamou couvre une superficie de 17 714 km² avec une population de 732 117 habitants, dont 400 396 femmes et 331 721 hommes, pour une densité moyenne de 43 habitants par km² 2014. En 2016, cette population est passée à 781 091 habitants 2018. Les femmes représentent 54,56% de la population de la région, où des très grandes majorités des habitants vivent en milieu rural, plus de 80%. La population de la région Mamou est composée de plusieurs groupes ethniques, dont les principaux sont les Pili, les Djaloké, les Malinké, les Soussou, les Limba, les Kissiens, les Touma, les Guerjé, les Mano, véritable mosaïque d'ethnie et de langue à très large prédominance Pili. Les 13 communes rurales présentes au banque compte du Mamou, plus la commune urbaine, ça fait 14. Toutes ces familles. Mais partout où vous allez, vous trouvez
cette complémentarité entre les familles. Parce que si Borekaba, par exemple, est un exemple. C'est Malinké et Peul. Téliko ici. C'est Malinké et Peul. Mais je n'ai jamais assisté à une contradiction. Donc moi, je pense que c'est un symbole. Et je l'ai toujours dit dans certains discours, je dis que Mamou est plutôt une, au lieu de carrefour seulement géographique, c'est un carrefour aussi de culture et de civilisation. Que des populations vivent comme ça, en symbiose, en complémentarité, où tous s'interrogent. Si vous allez pour les cérémonies de mariage dans une mosquée ici, à la conserverie, vous retrouverez presque les mêmes visages si vous allez à Bourbine ou à Horefene. C'est les mêmes hommes, avec les mêmes accoutrements et généralement les mêmes principes. Il n'y a pas tellement de différence. Je crois que là, Mamou l'a réussi. Contradiction majeure. C'est des petits intérêts, peut-être, de famille ou de personne, mais donc c'est généralement parce que dans le rassemblement, que vous regardiez dans la ligue islamique, soit régionale, soit préfectorale, soit communale, soit seulement dans les quartiers, vous ne verrez jamais une seule famille. Il y a du tout. Et si c'est le Coran, tout le temps, ils disent, ah, par Malinké, tel. Ah, il y a un respect total entre les familles, surtout dans la tradition. On se respecte. La région symbolise là aussi son caractère de ville carrefour, l'islam est la religion dominante. Et nous avons suffisamment de mosquées, on a 65 mosquées dans la commune urbaine. Et pour toute la préfecture de Mamou, on a près de 400 mosquées. Toute la préfecture de Mamou. Et pour la région de Mamou, nous avons un nom de Mamou de la Babita. À cela s'ajoute le dynamisme de la population, l'existence et le fonctionnement des organisations paysannes, comme par exemple la Fédération des paysans de Fouta Dialon, dont le siège est à Timbimadina Pita, qui a réussi à insuffler un dynamisme nouveau à la population, la productivité et la commercialisation des produits agricoles, comme la pomme de terre, l'oignon et la tomate. La contribution de la région administrative de Mamou dans la production nationale de ces trois filières est respectivement de 98%, 60% et 50% pour la pomme de terre, l'oignon et la tomate pour la pomme de terre. La région reste le leader national dans le sillage des atouts pour soutenir le développement de la région. Il conviendrait d'encourager l'agriculture, notamment les barrages hydro-agricoles de Dunkimanya, Dalaba, de Bafing 1 et 2, d'Antolo, Mamou, de capacité respectivement de 710 538 000 et 110 000 m3 d'eau. À ces derniers, il faut ajouter
les aménagements des plaines de Kankalabé, Wansan et Mansaya, des Hollandais